déjà plus que 4 niveaux, hein, disons. 2, 3, 4. On a de quoi en faire 2 puissance. 2 puissance 2. Ah merde, il nous restait un tranchant là aussi ici que j'ai pas vu. Pas grave, on aura un tranchant pour la prochaine fois. Tranchant 2, tranchant 2, puissance 1, allez hop. Là des puissances 2 on en a. Hein. Pour en fusionner pour faire un puissance 4. On fait une partie. Je sais, je l'ai déjà faite lors de la série L'épopée d'un enchanteur. Mais bon, vous me connaissez, champion des blagues pourries, c'est moi. Ok. Ok, plus rien que dalle. Allez, ferme XP. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai ce qu'il faut sur moi? Certainement pas. Je n'ai qu'un seul truc de ce qu'il me faut. Alors, il me faut le fer. Il me faut... ouais. Ouais, en fait, non. En fait, il va me falloir que ça. En fait, il va me falloir autre chose. Il va me falloir ça. Il va me falloir de la redstone. Plus de redstone. Pas tant que ça. Hein. Va pas m'en falloir tant que ça. Bon, on verra bien. Ça, il va me falloir de la pierre. Attendez. De toute façon, ce qu'il va me falloir... il va me falloir de quoi me faire également des arcs. Bah, j'ai un arc simple. C'est bête, j'aurais pu réparer celui-là, mais bon. Il va me falloir ça, il va me falloir un petit peu de cobble. Cobble redstone, ok, là on est d'accord, donc ça... Voilà, un dispenser. Si, il va me falloir également un petit peu de fer, il va me falloir du bois, bah, c'était là. Du bois, de la cobble, je ne l'ai pas rendu, de la redstone, c'est tout ce qu'il me faut, il me semble. Alors, bois... redstone et de fer, voilà, pour se faire un piston non sticky, ça me suffira. Ça, il va me falloir énormément de blocs, mais on a de la cobble sur place. Et il va me falloir ça aussi. Est-ce qu'il m'en reste? Non, genre... hop. Et ouais, il va falloir plusieurs. 3, ça ira. Allez, 3. Pourquoi 3? Parce qu'il va me falloir un double chest et il va me falloir également un entonnoir. Un entonnoir. Pour un seul entonnoir, il était pas obligatoire, mais bon, toujours mieux d'en avoir un. Ça, il me faut des pioches. Il va me falloir une nouvelle épée parce que celle-là est presque morte. J'ai ce qu'il faut sur moi.
pas enchanté, mais ce n'est pas grave. Mon arc, on va quand même se refaire un arc. Bon, celui-là d'arc on va le finir. De toute façon, ça j'en ai pas besoin. Ça, retour dans les ressources. Redstone, j'en aurais pas besoin d'autant. Je vais refaire quelques blocs. Voilà, deux stacks ça ira. Deux stacks ça ira. Attendez que je dise pas de bêtises, il va me falloir que des comparateurs, il me semble. Il va me falloir également un seau de lave. Non, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Et puis ça, donc, les blocs. J'avais créé le plastron, il me semble. Non? On va créer le plastron même si on peut pas l'enchanter tout de suite. Ça pousse. Potion de vitesse. Ouais, il m'aurait fallu du healing. Rendre on s'en fout, c'est pour être jeté tout de suite après, donc hop. Le speed pour le moment pas besoin, et j'ai besoin de mes 3 potions de deux seulement. Une là, la TNT ce sera pour plus tard. Le diamant en stock. Pour les cobbles, ce sera pas nécessaire plus que ça. Puis voilà. L'arc. Les bâtons. L'atelier, on peut toujours en avoir besoin là-bas. Une épée. Les patates, on va les stocker là-haut. Non, on va les stocker ici. C'est toujours ici. Le poulet, je vais le prendre sur moi. Les plumes, on a fait ce qu'on pouvait avec. Je prends encore à aller farmer du gravier pour me refaire des flèches. Combien j'ai de flèches sur moi? 20. Pas énorme. Bon, c'est toujours ça. Bah écoutez, on est parti. On est parti. Est-ce qu'il fait jour? De toute façon, j'ai le lit là-haut. Donc jour ou pas jour, je m'en fous. Visiblement, ça a l'air de se lever. Ça se lève. Ici, ouais. Ah, c'est con. Il me manque le seau de lave. C'est ce qu'il me manque. Mais bon. Pas grave. Oh, fait chier, il y a des oslo là. Alors, que je dise pas de bêtises. C'était où? C'était là, il me semble.
Non, c'était pas là. C'était pas là, bon. C'était là. Donc par là, j'y accède par où? Par ici. J'ai mon briquet sur moi. On va hop, cramer un petit peu la jungle ici autour. Et on fera quelque chose pour encore faire pur au barbare. Bon, référence, référence toujours. Ah oui, ben oui, c'est. Puis ça mène à la. Au truc de sable. C'est juste ici. Voilà, c'est ça. Ok. Il y a du fer pas loin. Ok, bah non, bah c'est sympa. Allez, on va commencer à tailler tout ça. C'est 4 de profondeur qu'il nous faut. Il y avait des coffres ici, je vois pas pourquoi je me suis fait chier à en crafter. Mais bon. Ok, allez, on va tailler tout ça. Efficiency, ça m'aurait arrangé, remarque. Et le mur va venir là. Le mur va venir là. Ok. Un, deux. Ouais. La torche, tu te barres pas comme ça, s'il te plaît. Ok. Et jusqu'ici. Et il me semble que c'est deux blocs en dessous du spawner également qu'il va falloir creuser en profondeur. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Parce qu'il me semble que la zone de spawn c'est 4 sur 4 et 2 de profondeur et 3 de hauteur. Il me semble que c'est ça. Parce que ça peut spawner en fait ici, au-dessus du spawner. Donc évidemment faut qu'il y ait une hauteur de 3. En soi là c'est bon, en hauteur il n'y a pas besoin de retailler. Parce qu'il y a 3 blocs de hauteur. Par contre, en dessous, il va falloir tailler 2 blocs. Ici, il y a que 2 blocs aussi. Ouais, donc. Voilà. Donc ça, c'est pour maximiser le taux de spawn. En soi, on va récupérer ça aussi quand même, tant qu'on y est. Creuser en dessous de soi. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne technique. Bravo champion. Bon, on recreusera après. C'est pas un souci. Ok, c'est la mauvaise idée du siècle. On va se mettre là. Ça éclaire pas mal.
celui-ci. Voilà, donc on va se faire ça, une usine à zombies pour du farming d'XP, bien entendu. Ok, une pioche. Je reboucherai ce que je suis en train de casser parce que ce serait inutile de laisser des trous. Alors, ok. Voilà. Plus que nécessaire, mais bon, vaut mieux toujours plus que pas assez. Et ici, il va encore falloir également tailler de deux. Voilà, on y arrive. Après, il n'y aura plus que le sol, deux couches à retirer. Comme ça, ce sera fait. Oh, ça rime. Enfin bref. Voilà. On va faire le fou. On va... ouais, non, quand même pas trop le foufou non plus. Mais on va quand même s'enfermer avec les zombies. Voir également le chemin qu'on leur fera parcourir. Déjà une belle zone, hein. 5, 4, 4, 4 et 4. Ouais, c'est ça. Donc 3 de hauteur, 2 de 2 en dessous.
je regarde juste où on est l'encodage de mon truc. Ok. Ouais, de toute façon, je peux encore tourner pendant 40 minutes. Après, je devrais faire une petite coupure avant de vous reprendre. De toute façon, on a le temps de tourner. Je sais pas qu'est-ce que je peux encore vous raconter comme bêtise pendant que je fais ça. De toute façon, hein, le but, hein, ce sera encore d'aller miner. J'en étais sûr. Il a fallu que je retire une torche pour que ça se mette à spawner. On va manquer de torches. Ça. Alors là, faire attention à pas casser le spawner, ce serait con. Ok. Deuxième couche. Bon, j'arrive au bout de ma deuxième pioche, je suis sûr qu'elle va casser avant d'avoir fini ce second étage. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bien sûr. C'est trop beau. Allez. Oui, plutôt comme ça, ce sera mieux. Pour en faire une deuxième. Eh ben, on en aura bouffé du fer. Attendez, je sais plus si... Ouais. Ouais, si, on avait réussi à le filmer, ça quand même. Parce qu'entre les fois où frappe ce merde et tout ça, actuellement j'ai protection 2 sur le plastron et les jambières et pas sur le... et pas sur je sais plus quoi pas sur le casque et les chaussures. Les chaussures, j'ai du protection 1 et voilà quoi, et du phaser falling. On va pas abuser autant sur les torches quand même. Un tous les deux blocs, ça fera la rue Martin. Ouais, de toute façon, comme ça, ceux-là, on va les virer.
ici. Comment ça, je suis maniaque? C'est pas vrai. Allez! Hop, sans qu'on y est, hop. Allez, donc 4 et 5. Allez, 4, 5. Non. Hop, 5 ici. 4 ici, 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 ici et là-bas. Là, on est bien. On est bien, on est bien. On va retailler un peu plus ici. Et on va les faire se barrer par là-bas. Ici ça, ici ça va pas. Ouais, on va peut-être aller re-remplir nos seaux d'eau quand même. Alors, ici, 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 là, là, là. Voilà, ici on est bien. Et ici on va rechercher le seau. Ok, ici, ah bon, pas plus près. Allez, on va les ramener. Ok. Petite torche, s'il vous plaît. On va les ramener ici. Ici, on va les faire chuter un petit peu. On va les faire chuter 3 blocs. 3 blocs, ok. Hop. Pendant on va découvrir ça, on va remonter un petit peu. Donc voilà, donc ici, c'est là où vont tomber nos zombies. Et ici, on va avoir notre crusher à lave. On aura ici notre crusher à lave. Et ici, on rebouchera plus tard, mais ici, c'est là qu'on aura notre... Allez. Voilà. Comme ça, ici, on peut accéder à notre truc à zombie.